Putain, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Bien, salut à tous, c'est Marty, bienvenue au nouveau sur la chaîne. Alors aujourd'hui je voulais aller refaire la petite course chrono, mais vu que c'est une période de chasse, je préfère pas y aller. Donc aujourd'hui on va faire de l'exploration, j'ai vu des petits chemins, je suis passé. Donc on verra où ça nous mène. Donc voilà. J'espère qu'on va pas trop croiser de chasseurs. Donc là je suis passé par une route et j'ai vu ce chemin. J'ai dit bon allez c'est pareil. Oh putain bah ça commence. Bonjour. 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 T'es poli ou t'es pas poli toi? Hey. Alors des fois les chasseurs ils vous empêchent de passer, bon la plupart du temps ça se passe bien. Voilà, je ralentis à proximité d'eux. Après moi je reste sur les chemins praticables. Au moins il n'y a pas de problème. Putain, elle est défoncée la route. Il n'y a plus, les tracteurs sont passés. Les chasseurs sont passés, la route est défoncée. Ah, c'est des champs à perte de vue. Ah, je suis passé dans l'herbe, j'aime pas ça. Oh, la caillasse. Alors ici on va où? Alors il refait un peu frais là. Du coup j'ai mis double épaisseur. Ça va, j'ai pas trop froid. Enfin, j'ai pas froid même. Waouh. Ça fait un moment que j'ai pas sorti la moto. En même temps, prendre des petits chemins comme ça, ça va me permettre de me réhabituer un petit peu. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas sorti. Bah, la dernière fois que je l'ai sorti, c'est quand j'ai sorti la vidéo Ice Digging in the Rain. Là, ça a failli faire le 2, mais ça va, il pleut pas. Il a plu toute la nuit, mais sur le matin, il ne pleut pas. Où est les flaques d'eau?
Alors les flaques d'eau, c'est un peu comme dans l'herbe, hein. On sait pas ce qu'il y a en dessous. Peut-être que vous allez me voir nager. Hein. Vous allez barboter avec moi. Oh, il y a un cratère là. Alors ça va où là? Alors où on passe les amis? Où ça? Dans ton cul. Oh, il y a un bouillard là. Je mets qu'un filet de gaz. La moto sinon elle brûle. Ah, j'ai le pneu arrière qui est à mi-usure. Donc ça va, il accroche encore. Mais il accroche un peu moins qu'au début. La moto doit être dans un bel état déjà. Bonjour, merci. Elle m'a dit non, Marty, stop! Je ne sais pas du tout où on va là! Je sais pas du tout où on va là-bas. Enfin, je sais, mais prendre la route avec l'enduro, c'est pas tip top. Bon, allez, on va repasser par là. Enfin, attention à la madame. Ah, je la vois, elle est là-bas. Son petit chien. Je voudrais pas qu'il finisse sous les crampons de ma moto. Choupette, choupette. Oh, choupette. Oh, choupette. Coucou. J'ai bien aimé cette route là. Ce chemin.
Ouh ! Ça a glissé là. Oh, j'esquive un pavé là. Alors ce que je ne comprends pas. Oh putain, j'ai ma botte, elle est trempée. Et voilà, Marty Allroad, il est quoi ? Allroad, il est quoi ? Il est paumé ! Oh, il y a une rivière, venez, on la traverse ! Non, je rigole. Donc par là, ouais, ok, d'accord, les flaques d'eau, plouf, 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 plouf. Ouais, et après ? Ah bah, en sortant du chemin, on va tenter à gauche. À moins que ce soit par là. Je sais pas. Les betteraves ! Betteraves, ça. Ouais. Ah, la dame avec son chat, elle dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Encore un branleur en mobilette. Je sais pas où elle est. Madame, où es-tu ? J'ai tombé nez à nez avec, je le sens bien. Son chien, il va finir en gaufre. Ah, il est là. Je me suis perdu. Ah, ça va, pas de gaufre pour aujourd'hui. Elle a voulu lever. J'ai pris une caillasse ou une bosse, je sais pas, elle a levé. Ah, j'ai décollé en fait. Bon bah on va tenter à gauche, vu qu'à droite ça passe pas, l'autre côté on repart sur nos pas et ça m'intéresse pas. Donc on va tenter à gauche au bout de ce chemin. Par là c'est un fossé. Bon, on va tenter à gauche. Où vais-je ? Clignotant, non ? Non, bah non. Putain.
Ouais, on voit un caillou là-haut. Allez, je suis en sac. À 40, la moto, elle branche pas, quoi. Et vas-y, elle y va. Le couple. Franchement, trop bien. Oh, j'aime pas ça. Ça roule. Alors, où sommes-nous? Ouais, petit boss. Wouhou. Oh là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh, bah alors, ma mère. Oh, bizarre ça. Alors j'ai changé la bougie parce qu'elle avait super du mal à démarrer. Je démonte la bougie était noire, cramée. Donc j'ai changé la bougie, elle a démarré nickel. Mais là je sais pas, elle me fait quoi. Eh, mais arrête pas dans une flaque d'eau s'il te plaît. Mais c'est quand je passe la 4. C'est quoi ce bordel? Ah non, pas là. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on fait une petite pause. On verra bien après. Et bien voilà les amis, on est ici, au milieu de nulle part. Et la moto la calée. Voilà. C'est génial. Ah, regardez dans l'état qu'elle est. Elle est bien propre. Donc voilà, donc pour le moment, bah qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais vous montrer le paysage, tiens. Oh, que c'est beau. Au milieu de nulle part. Voilà. Ça va être génial. Alors, pourvu qu'elle redémarre, je vais laisser refroidir un petit peu. Petite pause en même temps. Sympa. Donc voilà. J'espère qu'elle va redémarrer quand même. Bon. Bah, je vous retrouve juste après. Bon, bah la moto a l'air d'avoir redémarré. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. C'est de regarder, y a rien de dévissé, la boîte à air c'est ok. Ça doit plus se passer dedans. Alors peut-être j'ai une petite merde dans le carbu. Faudrait que je le nettoie. On va faire le retour tout doucement. Essayer de retrouver son chemin. Oh bah merde. Elle m'avait déjà fait ça une fois, j'avais nettoyé le carbu, puis le problème, puis là ça le refait. Donc peut-être une petite merde dans le gicleur. Ou... Enfin bref, ça passe au niveau des... ça se passe au niveau des internes. On verra bien. Mais c'est bizarre, je change la bougie, ça fait ça. Trop chaude, je sais pas, peut-être. Bon, ça m'étonnerait, la température extérieure elle est bonne. Le refroidissement du moteur se fait bien. Là, je suis en 5. Je sais pas, tout à l'heure on aurait dit qu'elle me le faisait quand je passais en 4. Bizarre. On verra.
En tout cas, belle vue sur le paysage. Ça, c'est kiffant. Voilà pourquoi j'aime l'enduro. On se prend pas la tête, on prend un chemin. Tant pis si on se paume. Et regardez, quand vous passez par des chemins comme celui-ci, ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas sur la route. Comme par exemple cette belle ferme. Ces beaux paysages qui m'entourent. S'il y a une maison, à mon avis, il doit y avoir une route pas loin. Voilà, voilà. Plein dedans. D'accord, ok, c'est pourri. Il fallait que je m'en doute. Il fallait s'en douter, hein. Bon, écoutez, on va repasser par la route que je connais. On verra bien. On va y aller doucement, on va pas trop la brusquer. Wow, ça glisse. Oh, y'a un dévers là.
Oh, il a l'air que ça va là. Je sais pas, peut-être elle est un peu chaude. J'en ai demandé quand même. Enfin, ça va. Elle a déjà connu pire. Voilà, ici je connais, c'est que de la route, donc je vais couper, on verra bien. Sinon, je vais vous laisser ici. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je vais vous laisser ici. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Rajoutez-moi sur Facebook. On pourra discuter si vous voulez. Si je suis connecté, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Allez, ciao.